Eh bien voilà, après le travail, hein, il faut manger un peu, voilà. Donc ici, ça, ce sont les sushis. D'accord, ici, ce sont les sushis, les poissons avec tout ce qu'il y a comme accompagnement. Voilà, poisson frais. Et puis ici, nous avons gingembre. Ce truc vert là, ça ressemble un peu à piment d'une manière. Voilà. Ça, c'est la sauce pour manger le sushi. Et ça, ce sont les crevettes braisées. Voilà, nous avons les crevettes braisées ici. Et ici, nous avons de la bière. Donc de la bière. Ici, nous avons du chai. Voilà du chai. Et là, nous avons un accompagnement. Voilà du chai. Bon appétit. Salut, salut à tous, avec vous Sniper Trader pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo vraiment, vraiment difficile parce que pour le faire, pour y arriver, il faut avoir une bonne stratégie, une bonne mentalité. Voilà. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez des commentaires, laissez des likes si à la fin de cette vidéo, vous avez appris certaines choses ou si vous avez eu le cœur qui battait. Voilà. Donc ici, comme vous le constatez, je prends une position à la hausse. Pourquoi? Parce que je remarque que le marché a traversé un niveau, le niveau que j'ai tracé. Donc il y a une cassure à la hausse. Il y a d'abord une fausse cassure à la baisse et le marché est venu se retrouver au-dessus du niveau. Donc ici, je comprends qu'il y aura continuation de tendance où je prends une position à la hausse. Donc pour espérer que le marché parte dans mon sens. Vous voyez que je mets tout mon argent, d'accord? L'argent qui se trouve sur mon compte, je mets là-dessus. Parce que auparavant j'ai essuyé une perte, voilà. Donc je désire remonter le compte. Raison pour laquelle j'investis tout mon argent sur le compte, voilà. Donc ici, on remarque que notre position tire vers la fin. Voilà, il nous reste quelques secondes pour que notre position puisse se clôturer. Quelques secondes, on attend. On attend. Voilà, notre position se clôture. Et puis, nous sommes en plus. Donc comme je l'ai dit, c'est une vidéo très 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 difficile parce que je vais remonter mon compte. Je vais remonter mon compte. Ici, quand je prends cette paire-là, je regarde, je vois que le marché fait une fausse cassure, d'accord, une fausse cassure de la ligne de tendance que j'ai tracée, d'accord. Donc le marché fait la fausse cassure là-dessus et quand il revient sur ma ligne de tendance, là je comprends que c'est un test, d'accord, un test de cassure. Donc ici je prends une position à la baisse, toujours 5 minutes. Je prends toujours 5 minutes pour que je puisse remonter rapidement mon compte et puis ne pas stresser longtemps parce que quand tu mets 15 minutes tout et tout, voilà, tu vas attendre 15 minutes de stress tout et tout. Donc ici, je prends la position de 5 minutes pour raccourcir un peu, hein, le temps. Thank you.
Donc ici, quand on regarde, on voit que nos positions hein, sont en plus, d'accord? Nos positions sont en plus ici. J'ai pris des petites positions, d'accord? J'ai pris des petites positions, j'ai pris hein, 100 roubles, 250. Donc pour hein, baisser un peu la tension, d'accord? Baisser un peu hein, le stress sur le marché parce que je suis en train de remonter le compte. Donc le stress est un peu levé. Donc quand je prends, je vois une position, pour baisser un peu la tension, je prends une petite partie, d'accord, je diminue un peu mon risque, je prends une des petites positions pour pouvoir baisser hein, mon niveau de psychologie afin de rechercher encore de bons signaux, d'accord, pour pouvoir rentabiliser. Donc ici, quand on regarde, on voit que je trade sur les OTC, d'accord, samedi, dimanche. Cette remontée, je l'ai fait sur 2 jours. Donc samedi, dimanche, je trade sur les OTC. D'aucuns pensent que les OTC ne fonctionnent pas, il y a comment ça, ils ne respectent rien. Ici, les OTC ont une particularité. La particularité des OTC, c'est quoi? C'est que vous tradez, hein, si vous tradez la tendance, d'accord? Si vous tradez la tendance sur les OTC, vous avez, qu'on appelle ça, vous avez plus de chances d'être en plus sur les OTC. Vous comprenez? Donc, ici, quand vous prenez des positions qui sont des positions hein, de niveau, il faut aussi prêter attention sur, hein, sur ces niveaux-là, c'est-à-dire savoir que comprendre que le niveau est un bon niveau et que c'est un niveau qui va résister. C'est-à-dire quand le marché vient toucher une fois, il a touché une fois, deux fois le niveau, ce qui veut dire que la troisième fois, le marché a plus de chances de retourner dans le sens. Donc il faut aussi remarquer certaines choses, c'est que pour qu'un niveau soit traversé, d'accord, le niveau ne se traverse pas hein, aussi facilement, c'est-à-dire quoi? Quand le marché vient toucher notre niveau, une fois, hein, d'accord, deux fois, nous avons les deux pics que nous avons utilisés pour tracer notre niveau. Ensuite, quand le marché vient toucher pour la troisième fois, le niveau va fonctionner. À 80%, le niveau va fonctionner. Mais quand le marché vient toucher plus de trois fois, plus de trois fois, quatre fois, c'est que le niveau s'affaiblit. Et là-dessus, vous ne prêtez pas attention. Vous ne prêtez pas attention, mais le niveau se déplace parce que quand il y a plusieurs forces cassées sur le niveau, il déplace le niveau. D'accord? Le niveau se déplace, soit il le ramène plus haut ou bien le ramène plus bas. Donc, si vous ne déplacez pas votre ligne, hein, vos lignes de horizon, comme ça, horizontale, et que vous pensez que le marché il est toujours là où vous avez tracé, hein, le niveau il est toujours là où vous avez tracé votre niveau. Alors, quand le marché va venir là-dessus, si vous prenez des positions de 15 minutes, de 5 minutes, vous allez voir que le marché va aller plus haut que votre position. Il va vous mettre en moins. Et dès que votre position se clôture en moins, vous voyez que le marché, 5 minutes après, ou bien 2 minutes après, 3 minutes après, le marché revient sur la ligne où vous avez hein, acheté ou bien vous avez vendu. Ce qui veut dire que vous n'avez pas bien déterminé le niveau. Parce que il faut que vous sachiez que les forces cassures, ce sont des signaux de manipulation. Comme je l'ai toujours dit, les forces cassures sont des signaux de manipulation qui permettent au marché d'agrandir, genre, soit une situation de range ou bien hein, de commencer un range. Vous comprenez? Donc, si le range il est déjà en cours, le marché, hein, les forces cassures agrandissent le range. Ou bien les forces cassures vous montrent que le marché va aller soit à la baisse ou bien à la hausse. Parce que l'objectif d'une force cassure, c'est de prendre le stop des personnes. Quand le marché prend le stop sur un niveau, directement, vous avez la compréhension que, attention, le marché ne va pas aller à la baisse, mais il va aller à la hausse. Raison pour laquelle les forces cassures sont des signaux hein, qui vous donnent le mouvement potentiel hein, qui va suivre du marché dans un sens. Voilà. Donc, si vous tradez les forces cassures, vous allez comprendre tout cela. Si vous ne tradez pas aussi, il y a une formation que je donne hein, par rapport à la compréhension des forces cassures. Vous pouvez prendre la formation hein, complète de VSA. Vous allez comprendre ce que c'est que les forces cassures afin de les trader et d'être en plus. Voilà. Donc, ici, on voit que il y a une position que j'ai pris qui est partie en plus, d'accord, les petites positions, d'accord, pour comme je l'ai dit, pour baisser un peu la tension. Et ici, on va chercher une dernière position, on va chercher hein, une dernière position de la journée du samedi pour
Voilà, ici, je vais chercher. Parce que quand je regarde ici, je vois que le marché a fait une cassure à la baisse, d'accord? Une cassure à la baisse, il est en train de faire un test, d'accord? Donc ici, je mets encore le montant de départ de ma position là-dessus. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Voilà. Plus que voilà, rattraper ce que j'ai perdu et avoir plus encore. Voilà, donc
pas directement, je ne le suis pas. J'attends, parce qu'il y a un niveau un peu plus haut. Donc ici, il voit qu'il y a de l'espace entre le niveau et là où se trouve le marché. Donc qu'est-ce que je fais? J'attends que le marché revienne sur ma ligne de tendance, d'accord? Donc quand on regarde, on voit que le marché est parti longtemps, d'accord, loin dans mon sens. Donc ce qui veut dire que cette position est à 100% garantie qu'elle va nous donner une position positive. Donc ici, hein, on voit que le marché s'en va toucher le niveau dont j'ai parlé. Et à partir de là, on va avoir une petite correction. Donc ici, je prends la décision, d'accord, d'arrêter de trader, d'accord, parce que quand on regarde, on voit que de 65 000, je suis revenu jusqu'à 430 000 francs CFA. Donc, j'ai remonté plus de 600%, hein, mon argent. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le marché n'est pas difficile. Il suffit de maintenir votre stratégie, d'avoir une bonne psychologie. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez des commentaires. Il y a tous les liens de formation et les liens de trading gratuits, les signaux gratuits sur Telegram que nous donnons chaque jour du lundi au vendredi sur Telegram. Intégrez le groupe, là-bas vous aurez les signaux gratuits, vous aurez deux coachs qui vous donnent les signaux. Donc vaut mieux en profiter pour pouvoir rentabiliser 100%. Les signaux sont de bons signaux, tout le monde rentabilise. Voilà, ceux qui ne rentabilisent pas, c'est ceux qui ne maîtrisent pas leur money management, parce que hein, le trading est aussi une gestion de money management. Voilà, donc bye bye, on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Paka paka.